Elle est à votre avantage. Chaque seconde de jeu, c'est un peu plus de pression sur leurs épaules. On est attentif tout de suite les 5-10 premières minutes. Surtout là, les gars, okay. S'il vous plaît, les gars, les 10 premières minutes. On sait que les équipes humaines ont tendance à se relâcher. Je gueule maintenant. Oh, s'il vous plaît, les gars. Allez, hein. Surtout là, les gars, pas de relâchement. Premier corner. Si le ballon dans la tribune, c'est mieux qu'une mèche. Pas de faute inutile, on joue. Allez, c'est maintenant, Et 10 minutes. Ouais, c'est chaud.
Mesdames et messieurs, c'est fini. L'idée de départ, c'était de se maintenir, on l'a fait, voilà. On l'a dit, on l'a fait, donc que demander de plus? C'est les efforts concrétisés depuis toute l'année. Dieu sait qu'elle a été longue, l'année, voilà, harassant, mais quel bonheur. Voilà, on est maintenu, on est reparti pour une cinquième saison en N2, ce que le club, historiquement, n'a jamais fait. Donc, voilà, bravo à tout le monde. Ça se gagne, un derby. Voilà, c'est chose faite. Juste un petit mot déjà pour Chiticaim, hein, on leur souhaite de se maintenir, c'est clair. C'est un club d'à côté et on leur souhaite également le même bonheur que nous, le maintien. La N2 veut que tout est sur les détails. C'est ce qu'on leur dit et qu'on leur répète toute l'année. Voilà, les détails font la différence et c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à faire des séries et des fois pas. Le manque de maturité, c'est clair aussi, mais on ne peut que s'aguerrir avec le même groupe. On n'attendait que ça, se maintenir. On aurait pu commencer déjà depuis au moins 3 semaines, mais on n'a pas bougé d'un iota, ni les entretiens au sein du club, ni la perspective de voir d'autres joueurs à l'extérieur. Voilà. Maintenant que c'est acquis, on va pouvoir, avec du recul, pouvoir voir l'ensemble des joueurs et puis construire pour la saison prochaine.